Bon, regardez, voilà toute l'alimentation Jaffi que je voulais vous montrer qu'il y a chez ma mère. Donc pour les animaux, il y en a même un paquet, oui, pour Mickey. Bah, Mickey sait que ça, c'est son paquet. Donc là, c'est le nouveau paquet qu'on a reçu. C'est pour ça qu'ils sont fermés. Les autres ne sont pas encore terminés. Mais au moins, on a notre commande avant que les paquets de croquettes soient terminés. Donc vous voyez, il y en a un pour Chula, un pour 7 et un pour Mickey qui a une alimentation très particulière, comme vous le savez. Et ce qui est génial avec Jaffi, c'est que chaque animal, ce qui est super, c'est qu'ils ont une alimentation vraiment propre à eux. Donc par exemple, pour 7, vous voyez, c'est poisson et petits légumes. Pour Chula, poulet et petits légumes. Et pour Mickey, poisson et petits légumes. Et tout ça, ça a été fait selon le poids de l'animal, la race de l'animal, s'il est stérilisé ou pas, son âge, s'il est malade ou pas. Par exemple, Mickey, comme vous le savez, il a atteint le diabète. Chula, toute petite, donc elle ne peut pas manger les mêmes croquettes que cette qui est un chien plus gros. Ils n'ont pas les mêmes apports essentiels. Donc vraiment, tout est fait personnalisé pour notre animal. Ce qui est super, là, ils attendent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un petit bonbon. Voilà, ils le savent tous. Ils ont reconnu les paquets. Ce matin, ils ont eu leurs croquettes. Donc là, je ne vais pas leur donner leurs croquettes. Mais par contre, ils vont avoir le droit à une petite gâterie. Voilà, donc regardez là, il y a une petite lamelle 100% poulet. Et pour... Sinon, pour Chula, un peu plus petit, vous avez les petites gâteries comme ça. Donc, vous voyez, au poulet. Et c'est génial. Donc, ce qui est super c'est chez Jaffi, avant de vous donner les chiens, j'arrive. Ce qui est super, c'est que c'est du made in France. Donc, on sait ce qu'on donne à notre animal. C'est sans céréales, sans gluten. Et surtout, c'est des ingrédients d'eau. Mais donner une très bonne alimentation à son animal, c'est essentiel pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il ait les apports essentiels pour être vraiment en bonne santé et ne pas choper de maladie. C'est un peu comme nous les humains, si on mange de la malbouffe toute la journée, tout le temps, et on est sujet à plus de maladies, obésité, enfin, tout ça. Et pour les animaux, c'est pareil. Si on mange bien, sainement, made in France, avec des aliments sains, on va être en meilleure santé. C'est exactement pareil pour nos animaux. Si vous aimez vos animaux, normalement, si vous avez des animaux, c'est comme vos enfants. Voilà, tous les gens qui ont des animaux, c'est leur bébé. Et là, il faut leur donner une très bonne alimentation. Sachez que là, je vous ai montré l'alimentation de mes chiens. Chanel, le chat, pardon, a exactement pareil. Donc, chez Jaffi, parce que c'est pour chien et pour chat. Et il y a également, tu l'as reconnu cette. Il l'a reconnu, donc Chula. Ça, c'est leur terrine. Ça, ce sera ce soir. Donc, ils ont aussi des petits fessins comme ça. Donc, c'est des terrines. C'est une petite gâterie également au poulet. Là, je vais plus leur donner donc, une petite friandise pour vous montrer. Mais voilà. Chez Jaffi également, on retrouve toujours des petites attentions pour nos animaux. Donc, des petits jouets qui sont trop cute. Vous avez également, vous voyez, ça, c'est génial à emporter partout. Vous savez, quand vous sortez, là, en plus, il y a des grosses chaleurs. Vous prenez cette assiette-là, vous la pliez pour l'emporter partout avec vous, pour mettre de l'eau à vos animaux. Voilà, c'est très important, parce qu'il fait très chaud en ce moment, c'est l'été. Enfin bref, Jaffi, ils sont vraiment au top. Je vais vous montrer sur le site internet comment commander, comment personnaliser les croquettes pour votre animal. Et ensuite, je vous donnerai une super belle offre.
Grâce à mon code promo, sachez que pour votre première commande, vous avez moins 50% sur tout le site Jaffi, donc sur l'alimentation, sur la première commande de votre animal pour son alimentation. Moins 50%, c'est énorme, donc profitez-en. Il y en a plein qui pensent que vu que c'est Jaffi, tout ça, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut acheter au supermarché pour nos animaux. Non, parce qu'à la longue, déjà d'une, ils vont être contents, ils vont être en meilleure santé et non, ça ne revient pas plus cher. En plus de ça, c'est des livraisons à domicile, donc on n'est pas là à porter les gros sacs de croquettes pour nos animaux, c'est directement à la maison, donc livraison à la maison. Voilà, donc profitez. Et en plus, avec mon code promo en ce moment, vous avez un jus de poulet comme ça offert pour votre animal. Vous en mettez un petit peu dans ses croquettes, il va mais kiffer. Surtout ça c'est un complément. Plage. Il y a ton copain qui arrive, Alia. Tu laisses maman aller mettre son maillot avant? Non, elle me rend. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. On est à la plage, franchement, ça fait du bien. Voilà. Je vous avoue que quand tu es avec un bébé, Alia, elle a un peu grandi, donc je suis moins posée sur le transat, je suis plus axée sur elle. Tu ne dors pas, du coup, et tu veux aller à droite et à gauche. On a foutu un bazar de nous. Voilà. Voilà à quoi ressemblent nos plages maintenant. Mais sinon, c'est le kiff. Il y a du monde, mais pas énormément pour un mois de juillet. C'est comme ça depuis le début. Donc, j'ai un peu bronzé, surtout du dos. Le dos, j'ai cramé. Donc, pas trop de la face. Parce que du coup, vu que je reste à l'ombre avec Alia, il n'y a que mon dos qui prend un coup. Et voilà, sinon je ne vous ai pas trop posté de story. Dès que je rentre, parce que là on est en train de rentrer, je poste des stories parce que j'ai fait des vidéos. Du coup, et voilà, je vous montrerai tout ça. Mais sinon, on a passé une super bonne après-midi. À peine rentrée, elle continue. T'es pas fatiguée, ma fille? T'as passé une bonne journée? Mais est-ce que t'as passé une bonne journée? Oui, c'est le Mao. Tu fais le câlin au chat? Hein? Ouais! Non. Regardez comment ils sont mignons. Hein? Et moi la maman maintenant par terre. Non, tu lui rends, Alia. Tu prêtes. Et là, regarde, tu en as un. Voilà. Voilà. Et là, Janina nous prépare un gros trou pour la piscine des enfants.
rappelle donc les avis concernant Bajoa. C'est toujours une tuerie, c'est toujours des avis très 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 positifs. Donc pour toutes les personnes qui rejoignent la team Bajoa, qui utilisent ça dans leur machine à laver, donc c'est un parfum de lessive. Pour rappel, Bajoa est une marque française qui a créé des parfums de lessive. Donc ça vient remplacer tout ce qui est adoucissant et du coup odeur. Alors c'est hyper important, je trouve, d'avoir des affaires qui sentent bon, qui sentent le frais, qui sentent hyper hyper longtemps. Et là c'est le cas avec Bajoa. C'est vrai que d'habitude, quand on utilise un parfum de lessive, voilà, ça sent bon sur le coup, mais ensuite l'odeur. Allez, un jour après, il n'y a plus d'odeur, quoi. Là, avec Bajoa, ce qui est génial, c'est que même quand vous allez porter vos vêtements, pardon, et que vous allez les mettre au sale, ça va continuer à sentir le parfum de lessive. Ça ne va même pas sentir le sale. Donc, pour vous dire que vraiment, l'odeur, c'est qualitatif. Bajoa, c'est très qualitatif et ça dure extrêmement longtemps. Pourquoi ça vient durer très longtemps sur nos vêtements comparé à d'autres marques de parfums de lessive? Tout simplement parce que dans Bajoa, vous voyez, dans une bouteille comme ça, il y a 30% de fragrance de parfum, ce qui est énorme. Donc à titre comparatif, les parfums pour nous de luxe comme Dior le bois d'argent, à l'intérieur ils utilisent que 15% de fragrance de parfum. Sachant que l'odeur dure très 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 longtemps, vous mettez un petit spray, on sent hyper fort et hyper loin et hyper longtemps. Et bien avec le parfum de lessive, dites-vous qu'il y a le double. Donc ce qui fait que sur nos vêtements, ça dure, l'odeur peut durer plus d'un mois facile. En plus de ça, quand on va venir repasser nos vêtements, l'odeur va ressortir, ça sent merveilleusement bon. Quand vous lavez tous vos linges de maison, donc que ce soit les draps, les rideaux, enfin ici par exemple, on utilise Bajoa pour tout et partout, et en fait ça sent extrêmement extrêmement fort et extrêmement bon partout dans la maison. Plus besoin, vous savez, de spray pour la maison, plus besoin de ça si vous utilisez Bajoa pour tout ce qui est, comme je vous ai dit, rideau, linge de lit, enfin vraiment pour tout, c'est incroyable. Et puis pour vos vêtements, et vous avez vu la nouvelle tuerie, donc le nouveau parfum, ça sent le monoï. Donc il y en a qui l'ont utilisé, je suis trop jalouse parce que du coup je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je ne l'ai pas encore, mais je suis archi jalouse. En plus de ça, c'est une édition limitée. Donc, si vous voulez tester le nouveau Bajoa, la nouvelle odeur pardon, du parfum de lessive Fleur des Îles, donc de chez Bajoa, Monoï, foncez, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Enfin bref, en tout cas, je trouve que c'est trop, trop, trop important de sentir bon. Dites-vous, moi, j'oublie de mettre du parfum. Dire carrément, tellement que en fait le parfum sentir bon toute la journée, sentir le frais, donc j'oublie carrément de mettre du parfum. En plus là c'est l'été, donc on a bien besoin de sentir tous bon. Normalement je trouve ça très 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 important, donc si vous pouvez faites-le. Et comme je vous ai dit, c'est un 2 en 1, ça fait office d'adoucissant également. Donc en gros, vous mettez dans votre machine votre lessive et le parfum de lessive. Et vous n'en mettez pas beaucoup. En fait, une bouteille comme ça, ça dure longtemps. Vous pouvez faire 50 à 70 machines avec. Parce que vous voyez, vous avez un bouchon là, il y a des graduations. Il y a 5 ml, c'est pour un parfum modéré. Donc pour ceux qui veulent que ça sente bon, mais voilà. Et sinon, vous avez 10 ml, c'est pour un parfum intense. Donc vraiment pour ceux qui veulent que ça sent hyper, hyper fort. Alors moi, je vous explique à titre perso. Quand je fais une petite machine, je mets que 5 ml. Quand je fais une plus grosse machine, je vais en mettre 10 ml. Voilà. Et donc 50 à 70 machines par bouteille. Normalement, on fait des économies. Hein. Et ça sent trop fort. J'ai juste enlevé le capuchon. Donc, c'est même pas le bouchon. Ça sent l'odeur de fou. Donc là, c'est fleurs blanches que j'ai. Je les ai tous. Vraiment, avant, j'avais mes préférés. Vous vous souvenez? Maintenant, j'ai plus de préférés parce qu'en fait, ils sentent tellement bon. Et ici, on n'utilise que ça. Voilà. Donc, même ma mère, la dernière fois, vous l'a dit, c'est juste une découverte de fou. Vous avez vu les avis, c'est juste incroyable. Sachez que je vais vous donner un code promo de moins 20% qui est valable sur tout le site internet. Et en plus de ça, je vous le marque juste après, vous avez des pourcentages en plus. Si vous prenez 3 bouteilles, vous avez moins 10% en plus de mon code de moins 20%. Donc, sur le total des 3 bouteilles. Si vous prenez 5 bouteilles, vous avez moins 15% en plus de mon code promo de moins 20%. Et si vous prenez 7 bouteilles, vous avez moins 20% en plus de mon code promo de moins 20%. Donc vraiment foncez, c'est pas un achat inutile. On fait tous des machines, on en fait assez souvent. Donc vraiment, c'est un truc qu'on sert tout le temps. Et je trouve ça hyper, hyper important. Donc vraiment foncez.
on sent bon, on sent le frais, on sent pendant plus d'un mois, notre dressing sent incroyablement bon, chez nous ça sent bon, et en plus de ça, on vient faire des économies parce que ça, c'est un adoucissant. Donc 2 en 1. Comment vous allez? J'ai pas encore lu vos messages aujourd'hui. Je vous avoue que toute l'après-midi, j'étais à la plage avec Alia. Du coup, j'ai un peu posé mon téléphone. C'est plus ma copine qui a fait des vidéos et qui me les a envoyées, celles que je vous ai mis tout à l'heure. Franchement, trop mignon. Alia et Sandro, ils sont trop mignons. Du coup, Alia, elle connaît Sandro depuis qu'elle est née. Et vraiment, on aime bien passer genre des mercredis ensemble avec Sandro et tout. Enfin, ils sont trop trop chauds. Du coup, c'est vraiment son copain à Alia. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc, moi, je vous avoue, je suis aujourd'hui KO. Quand je vous dis KO, genre vraiment trop KO. Donc, je sais pas pourquoi. Après, on va pas se mentir, la plage, ça fatigue. Voilà. Et puis la plage avec un enfant, ça fatigue encore plus parce que du coup, je me suis pas posée une seule fois sur le transat. Je me suis posée pour manger et j'ai mangé en 2-2. En plus de ça, Alia, après, heureusement que j'avais fini mon plat, elle m'a fait tomber ma burrata par terre, enfin mon assiette par terre dans le sable. Donc voilà. Donc, je vous avoue que c'est physique, physique, physique d'aller à la plage avec un enfant qui a envie de bouger, qui marche pas encore et qui a envie d'être dans l'eau mais qui sait pas nager du coup. Donc on est obligé d'être H24 collé à elle. Enfin bref. Donc voilà. Donc là aujourd'hui vraiment je suis trop lessivée. Là je vais aller me laver. Je suis trop contente parce que j'ai bronzé dans le dos. D'ailleurs j'ai toujours mes taches qui reviennent, vous voyez. Là je dois faire mon traitement. Donc ça c'est un truc, j'ai tous les étés, j'ai ces taches là. Donc tous les étés j'ai le droit de faire mon traitement. Vous savez c'est... je l'ai en plus. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça commence par un K. Enfin bref, c'est le savon là. On se frotte bien avec, on rince. Il faut faire ça pendant 2 jours, je crois. Enfin bref. En tout cas, je l'ai. Et c'est une galère et ça a pas. J'ai eu le dermato pour ça et même le dermato m'a dit non, il faut refaire le traitement à chaque fois. Donc voilà. Donc c'est une galère parce que c'est pas très beau. Voilà. Vous vous souvenez, je l'avais enceinte. J'avais fait le traitement enceinte parce que c'était pas nocif, mais voilà, c'est relou. Ça fait un bruit bizarre à chaque fois que je me tourne. Donc, qu'est-ce que je disais? Enfin voilà, quand même j'ai bronzé, donc je suis contente, mais plus du dos. Parce que c'est fini les plages où tu bronzes tranquille, où Alia elle était dans sa poussette, où elle bougeait pas. Tout ça c'est fini, maintenant c'est un autre délire. Et ça va être un autre délire encore quand elle marchera. Et ça sera encore un autre délire quand elle sera un peu plus grande. Mais voilà, c'est que du kiff. Donc vraiment, on a kiffé. Depuis que je suis rentrée de Dubaï, j'ai la voix cassée, c'est horrible. Je parle du nez. Bah, j'ai plus rien, mais sauf que mon nez, il est toujours bouché. Là, je sens que c'est bouché. Donc c'est trop, trop, trop bizarre. Pourtant, j'ai plus rien, je tousse plus, j'ai plus mal à la gorge. Juste, je sens que tout là, c'est bouché. J'arrive pas à déboucher ça et toute la journée. Franchement, c'est relou. Surtout la nuit, quand je suis allongée, du coup, j'ai l'impression que je vais étouffer. Donc, c'est hyper relou. Et c'est hyper moche parce que j'ai l'impression de parler du nez. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Donc, enfin, bref. Donc, comme je disais, je vais aller me laver. Donc, franchement, cette robe, elle est bien, mais elle est trop décolletée. Je l'ai mise à la plage. C'est une robe pantalon que j'ai achetée déjà à Zara. Vous voyez, en fait, c'est un pantalon. Ça fait robe. Je trouve hyper mignonne, mais par contre, décolleté, ça va pas du tout. Plus tard, je suis comme ça, donc c'est vraiment pas beau. J'aime pas du tout le décolleté comme ça. Enfin bref, donc c'est pas très joli. Donc ouais, je la mettrai pas souvent, je crois. Vous voyez, je l'aurais essayé, je l'aurais pas acheté. Mais bon. Après, elle reste quand même jolie, ample. Le tissu, j'aime bien. Ça permet de pas avoir chaud, enfin voilà, elle est bien, mais j'aime pas du tout le décolleté comme on y est. Donc voilà, je vais aller me laver, et puis je pense que je vais pas faire long feu. Concernant mes recherches d'hier sur nos vacances, parce qu'en fait, je vous explique très brièvement avant d'aller me laver. À la base, on voulait partir aux Seychelles, voilà, on avait tout prévu, on avait trouvé l'hôtel, on s'était dit qu'on allait faire 3 jours à Mahé, et après partir à Pralin, le reste du temps. On voulait partir 15 jours au total, sauf qu'on a regardé les billets d'avion. À l'aller, tout va bien. On se tape, on fait Nice-Dubaï, donc 6 heures d'avion.
c'est beaucoup quand même. Ensuite, à Dubaï, on a 2h30 d'escale. Ensuite, on reprend un autre avion pendant 4 heures. Donc jusque-là, on s'est dit, bon, ça va avec Alia, 2h30 d'escale. Sauf que le retour, on regarde. Et là, donc il n'y a pas d'autre vol. On fait les Seychelles, Dubaï. À Dubaï, 6h30 d'escale. Et ensuite, on fait Dubaï, Nice, 6 heures d'avion. J'ai dit, c'est mort, 6h30 d'escale. Puis autant d'avion après, Alia ne tiendra jamais. Donc du coup, vu qu'on va vivre à Dubaï, on s'est dit, au pire, on ira aux Seychelles. Quand on vivra à Dubaï, c'est à 4 heures d'avion. Comme les Maldives, c'est à 4 heures. Donc hier, j'étais dans mes recherches où on peut partir en vacances en famille. J'ai trouvé la Turquie. Donc ça a l'air pas mal en Thalia. Sinon, j'ai regardé, je vous avoue, on a vu Espagne et Portugal, mais ça c'est pas trop dépaysant par rapport à la France. Vous voyez ce que je veux dire ? On voulait vraiment un truc qui dépayse. Ensuite, on nous a conseillé l'Albanie. Je connais pas du tout. La Sardaigne également. J'ai regardé Malte. Et en fait, c'est galère à chaque fois. Les avions. Donc au départ de Nice, il y a toujours des escales de fou. Genre si tu pars de Paris, tu mets 3 heures. Si tu pars de Nice, ton vol, il revient à 7 heures de vol, quoi. Vous voyez, c'est horrible. Donc en fait, il faut regarder tout ça. J'ai regardé aussi, ça nous disait bien, genre la Guadeloupe et tout. Sauf que c'est pas la période. Il marque sur Internet qu'on n'a pas envie de se taper de la pluie pendant les vacances. J'ai regardé les États-Unis, mais pareil, c'est pas trop la période. Donc voilà, donc en fait, on est très limité. Mais je suis trop dégoûtée. Donc si vous avez des idées, dites-moi. Mais je suis vraiment trop dégoûtée. Et sinon, comme je vous ai dit, il y a l'Albanie qui revient énormément. Voilà.